Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui messieurs dames, on va parler de mise à jour, la mise à jour donc du 13 décembre 2022, première mise à jour de ce chapitre 4, qui arrive directement une semaine après la sortie du chapitre 4, directement les gars, il n'y a pas de temps à perdre, et ils n'ont pas perdu de temps, donc une semaine est écoulée, et on a déjà une mise à jour. Alors cette mise à jour elle va arriver juste avant Noël, juste avant plein de collaborations, donc on va vous parler aujourd'hui de ce qu'il va y avoir dans la collaboration, et dans la mise à jour complète, première mise à jour donc, chapitre 4. Les gars, avant tout, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas que tous les jours, messieurs, dames, tous les jours, pendant 14 jours jusqu'au 24 décembre, nous aurons des concours, un total de plus de 50 000 V-Bucks vous est offert, d'accord? Hop, alors, on va enchaîner donc avec cette mise à jour de demain, qui arrivera normalement vers les 9-10 heures du matin, avec plein de contenus différents, qui commencerait logiquement par l'ajout de Winterfest. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la fête de Noël, les 14 jours d'hiver, avec les cadeaux à ouvrir habituels dans la cabine de Casse-Noisette, comme d'habitude. La petite maison de Casse-Noisette sera remplie de cadeaux et on aura un cadeau à ouvrir par jour, de notre choix. Alors, je suis très content, mais en même temps un petit peu déçu, parce que ça fait 3 ans quand même qu'on a le même concept. Le concept, il est très très bien, je l'adore, le fait d'ouvrir des cadeaux et tout, un peu comme un calendrier de l'Avent. Mais pour le coup, ils auraient pu innover un peu plus, puisque bah ça fait 3 ans qu'on a la même chose. Mais en tout cas, les skins Winterfest, des nouveaux skins gratuits, des nouveaux objets gratuits, et donc des objets à avoir, on nous vend des cadeaux, ce qui est totalement incroyable. Donc, première grosse nouveauté, ce sera l'ajout de ça à partir de demain, et ça se trouve, ça commencera direct les ouvertures de cadeaux, d'accord? Deuxième grosse, on va dire, chose qui va concerner Fortnite demain, c'est MHA, donc My Hero Academia, messieurs, dames. Pour ceux qui connaissent, bah vous connaissez, c'est super, ceux qui connaissent pas, donc ça concerne forcément des collabs animés, une fois de plus, les gars, avec des cosmétiques qui vont arriver, donc des nouveaux skins, que ce soit éventuellement des skins mythiques et des skins, donc, de collab. Alors, ça va faire un gros pack en boutique, ça arrivera à partir du 16 décembre, ça a déjà été annoncé, mais on aura donc les cosmétiques en tant que tels qui seront ajoutés officiellement dans les dossiers. Donc, on va pouvoir savoir quels sont les skins donc, qui vont être présents sur Fortnite et combien ils sont et quels objets ils viennent donc se greffer, du genre pioche, planeur, etc. Donc, messieurs, dames, tout ça, ça va se décrypter demain, on va les avoir, je vous les ferai en vidéo, je vous les montrerai, showcase complet et compagnie, d'accord? On aura donc d'autres nouveautés, surtout, vous voyez, au niveau du pass de combat, on avait des choses qui étaient bloquées, donc des choses bonus, et tout ça, ça va se décrypter pour les gens qui sont déjà niveau 100 et plus, pourront acheter les objets bonus, les équiper, et avoir les bonus qui sont encryptés pour l'instant. Ils vont se décrypter logiquement demain, les gars, pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. L'événement de fin d'année et les cosmétiques. Alors, on va avoir des cosmétiques de fin d'année. Comme tous les ans, on a normalement, les gars, des petites choses en boutique. Il y avait un pack l'année dernière donc avec l'accessoire de dos 2022, planeur 2022, une émote 2022. C'était resté en fin d'année. Et normalement, ils vont peut-être être décryptés dès demain, parce que je ne sais pas si d'ici la fin d'année, on aura une autre mise à jour. Et à ce moment-là, ils vont peut-être les décrypter directement, donc en boutique, on aura des objets à se mettre sous la dent. Et pourquoi pas, donc, savoir ce que c'est en avance concernant la fin d'année, les gars. Ensuite, on va avoir les nouvelles quêtes hebdomadaires. Oui, maintenant, les quêtes sont le mardi. Donc, s'il n'y a pas de match demain, eh bien, on ne sait pas ce que c'est, les quêtes. Sachez que, d'ailleurs, les quêtes que vous n'allez pas effectuer de la semaine, elles vont disparaître. Ce n'est pas des quêtes de semaine 1, ce sera des quêtes de semaine. Et chaque semaine, les quêtes disparaissent pour que les quêtes de la semaine d'après apparaissent. Donc, si vous ne faites pas vos quêtes toutes les semaines, eh bien, ça s'arrête. Elles disparaissent et vous perdez l'opportunité d'avoir de l'XP. Donc, faites attention, les gars, concernant donc ces quêtes-là. Demain, on va avoir les hebdos. On va avoir des informations d'ailleurs sur le contenu qui va être ajouté. J'ai nommé plus de renforts. On aura d'autres renforts qui vont s'ajouter, du genre glacer les pieds aux adversaires, se glacer les pieds à soi-même. Des choses vraiment qui vont, comme les renforts actuels, vous permettre de faire différentes choses dans les games. Et ça peut être extrêmement intéressant. Notamment, on aura d'autres quêtes d'étapes à effectuer. On va avoir des quêtes d'étapes, je crois, de dépenses de lingots. Tout ça, je l'espère, puisque les quêtes d'étapes, je les ai quasi toutes finies. Les renforts, je les ai déjà tous. Voilà, c'est très petit, j'ai envie de vous dire. Il faudrait qu'ils ajoutent plus de trucs. On a un nouveau chapitre. Les gens, ils sont en train de se donner à fond sur le chapitre, donc ils vont finir le chapitre et après, ils vont déjà se lasser du jeu, alors que le jeu ne fait que commencer, vous voyez.
Pareil, on aura MrBeast, messieurs dames, collab, énorme collab, le plus grand youtubeur du monde, si je puis dire. Eh bien, sera en collab sur Fortnite. MrBeast, on se demande si ça sera pas un skin de Noël, sera pas un skin collab pour un événement spécial, mais en tout cas, il va être décrypté demain et on aura plus amples informations concernant donc MrBeast. Je vous donnerai, je vous montrerai, que ce soit en short, en gameplay ou vidéo normale, MrBeast. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'autres choses, des nouvelles armes, des nouvelles fonctionnalités. On ne sait pas encore si elles vont être ajoutées demain, mais si elles sont ajoutées demain, ce sont les armes qu'on a pu voir lors du trailer, justement, de début de chapitre, avec donc des boucliers, des espèces d'oiseaux que vous pouvez contrôler. L'histoire de skin à la première personne, peut-être que ça pourrait arriver avec des nouvelles fonctionnalités d'armes, un peu comme l'arme de John Wick que vous pouvez avoir dans les renforts. Vous pouvez avoir donc différentes choses qui vont arriver demain, et tout ce que je vous ai dit est sûr que ça va arriver. Tous les trucs que je dis maintenant qui sont un petit peu susceptibles d'arriver, eh bien, sont susceptibles d'arriver, c'est pas encore sûr. En tout cas, les gars, sachez qu'on va avoir enfin plein de trucs à faire. On va avoir Noël qui va débuter officiellement sur Fortnite, dit aussi nouveau skin de Noël, dit aussi le Reboot a Friend, donc le truc où il faut inviter des amis qui va reprendre apparemment, plein de choses comme ça. Je vous ferai un... si je puis dire, une vidéo unboxing du calendrier de l'Avent, quand ils vont l'ajouter, parce que normalement on a des gameplays grâce aux leakers et tout, qui nous montrent déjà tous les cadeaux, où est-ce qu'ils sont, leurs emplacements, etc. Si vous voulez être spoil, entre guillemets, de où acheter vos objets. Et tout ça, je vous le montrerai en vidéo. Donc n'oubliez pas d'être là, de lâcher un petit pouce en l'air, les gars, de vous abonner pour ne rien rater, activer la cloche surtout. Et comme je vous disais, n'oubliez pas d'être là, 21h minuit. Tous les jours, des méga concours pour vous. Plus de 50 000 V-Bucks tous les soirs à gagner. Donc, des cadeaux pour vous, les gars. Donc, soyez là. N'oubliez pas de rester zen, les gars. Et surtout, si vous voulez me soutenir en boutique, le petit code créateur, Telmo-Lopez. Ciao.